hommage aux martyrs des 30 et 31 octobre. Et hommage au plus grand de nos martyrs, Isidore Noël Thomas Sankara. Vous avez refusé de vous fondre dans un silence complice et hypocrite lorsque la décision a été prise de modifier l'article 37 de notre Constitution. Contre cet état de fait, vous êtes sortis les 30 et 31 octobre pour dire non. Non, nous ne voulons pas. Pour votre nom, vous avez été tué. Et l'histoire le retient. Mardi des 30 et 31 octobre, puisque vous êtes des hommes et des femmes de paix, d'amour et de pardon, nous, vos familles, dans le sens de la réconciliation nationale prônée par les autorités de la transition, marquons notre disponibilité à aller vers la réconciliation, mais à deux conditions. D'abord, la vérité et la justice. Nous retenons que les vies de nos proches ont été ôtées dans un contexte où ils ont osé émettre un autre son de cloche au refrain de la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Nous réclamons justice, la justice pour apaiser les cœurs, la justice pour donner l'exemple, la justice pour appliquer la loi. Ensuite, le pardon sincère à l'endroit des familles des personnes décédées. Ce pardon, c'est le pardon plein d'humilité, de repentir et d'introspection modélée dans un cœur pur qui prend sa source dans l'amour authentique et la culture de la bonté. Oui, nous serons prêts à pardonner à toutes ces personnes qui ont été responsables de la mort de nos proches à des degrés de responsabilité diverses. Mais cela doit se faire dans la vérité et la transparence. Vaillants combattants de la liberté, vous, faites-vous arracher à notre affection. Nous sommes venus de partout pour célébrer et perpétuer votre mémoire. Nous ne vous oublierons jamais. Le Burkina Faso ne vous oubliera jamais. Nous prenons l'engagement d'instituer une journée du souvenir qui vous sera désormais annuellement consacrée. L'État aussi poursuivra ses efforts afin de faire toute la lumière sur les conséquences de cette insurrection. Croyez-moi, justice sera rendue. Abdurrahman Aboubakar, né le 13 mars 1968, profession mécanicien, laisse derrière lui une femme et 6 enfants, morts pour la patrie. Aouedri Ouibidoua, né le 13 mars 1970, propriétaire de garage, laisse derrière lui une femme, 3 enfants, morts pour la patrie.